Ceux qui me connaissent savent que j'ai un ami qui s'appelle Thomas More, dont j'ai lu pas mal d'écrits, et qui a une caractéristique, c'est d'avoir beaucoup écrit sur la conscience. Et Jean-Paul II dit de lui, de la vie et du martyre de Thomas More se dégage un message qui traverse les siècles et qui parle aux hommes de tous les temps de la dignité inaliénable de la conscience. Quand on pense conscience, je pense qu'on associe ça assez vite au martyr, la question de conscience, celle qui nous arrive deux, trois fois dans la vie, dirons-nous. Aujourd'hui, je voudrais porter un regard différent, puisque Jean-Paul II dit de la vie et du martyr, et associe ça à la conscience. Et ma conviction que je voudrais partager, c'est d'associer cette question conscience à la vie ordinaire. Peut-être que dire bonjour et sourire à un collègue de travail qu'on ne peut pas voir en peinture, et ben peut-être que c'est le plus grand acte de conscience qu'on peut faire. Comme quoi, c'est une question quotidienne. Alors, je voudrais développer mon propos en trois parties. Le premier, un lieu pour cette conscience, notre vie intérieure. Ensuite, cette vie intérieure comme source d'engagement dans le monde. Et puis, ébaucher un peu cette question, voilà, une fois que je suis bien avec ma vie intérieure, comment je traverse les aléas, les vicissitudes de la vie courante. La première conviction, c'est que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de bruit et que peut-être il nous faut faire silence pour retrouver ce lieu de vie intérieure. C'est le silence au sens propre, couper la télévision, couper la radio, etc., etc. Et c'est aussi le silence au sens figuré. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils, nous avons beaucoup de normes qui nous expliquent à chaque instant de notre vie comment il faudrait faire. Et peut-être que parfois, il faut couper tout ça, s'affranchir de tous ces schémas qui nous inondent chaque jour. Alors, la conviction, une fois que on a pu se reconnecter avec notre vie intérieure, et le fait que une vie intérieure, ce n'est pas une grotte, ce n'est pas un bunker enfermé où on serait tout seul. La vie intérieure, c'est un lieu où nous pouvons raisonner avec le monde, d'abord, raisonner avec les autres, et puis finalement, raisonner avec nous-mêmes. Un petit exemple de résonance, si vous voyez un bel immeuble, vous pouvez d'abord y voir un tas de cailloux, une alliance de sable et d'eau, puis des appartements, puis des logements pour loger des familles, et peut-être aussi des logements pour voilà, loger des personnes en difficulté. Cette résonance permet de donner un sens. Il y a un exemple très beau dans la vie de Thomas More. Entre 23 et 27 ans, il travaille, comme tout un chacun, mais loge à la Chartreuse de Londres. On a ces témoignages où, visiblement, il cultive sa vie intérieure, il prend le temps de construire sa vie intérieure. Et le résultat sera qu'à l'issue de ces 4 ans, Thomas More prendra énormément d'engagements, que ce soit des engagements personnels, dans sa vocation, puisqu'il se marie, ou des engagements dans la cité, puisque c'est l'époque où il devient député. Pourquoi je parle de Thomas More et de cette vie intérieure, c'est que chez Thomas More naît une grande intuition. Peut-être que la résonance de notre vie intérieure avec nous-mêmes peut faire émerger chez nous ce que j'appellerais des intuitions, c'est-à-dire des idées de ce que nous pouvons faire vers la construction du bien commun. Et Thomas More a cette idée géniale de l'utopie, alors qui peut donner lieu à de nombreux débats, mais que j'appelle l'utopie réaliste, qui consiste à s'engager dans le monde pour le transformer. Et chez Thomas More, le transformer le monde, ce n'est pas attendre les grandes idées,
Ce n'est pas mettre en œuvre des choses parfaites. Pour Thomas More, s'engager dans le monde, c'est prendre le monde tel qu'il est, porter un regard juste sur les injustices du monde et s'engager à les transformer, exercer le moindre mal, plutôt que rêver indéfiniment au bien idéal. Nous avons tous à cultiver nos intuitions. Nous avons tous des petites, des grandes intuitions que nous pouvons trouver dans cette vie intérieure et qui font notre authenticité. Chacun a sa propre authenticité. Personne n'est appelé à faire la même chose dans le monde. Et c'est à travers cet appel intérieur, cette résonance personnelle, que je suis le plus heureux. Mais se pose alors tout de suite la question, comment rester connecté à cette vie intérieure, comment rester connecté à mon authenticité, alors que, nuit et jour, dirais-je, régulièrement, je suis confronté à des difficultés. Car voilà, le monde ne m'accueille pas forcément tel que je suis. Et là, on rentre dans une perspective où je n'ai pas je n'ai pas de catalogue, je n'ai pas de choses toutes faites à proposer. Par contre, à l'exemple de Thomas More, voilà, je peux ouvrir des voies sur certains sujets. Alors, on peut essayer de développer quelques pistes avec Thomas More. La première, c'est se détacher des biens et du pouvoir. Une idée forte de la part d'un homme qui était riche. Comme quoi, l'important, c'est pas tellement de savoir si j'ai un peu, moyennement, beaucoup, si c'est légitime, mais par rapport aux événements, de rester détaché pour que mon souhait ou mon attachement à mes biens, à mon pouvoir, ne m'emmène pas à faire des choses mauvaises. Alors aujourd'hui que nous sommes dans une période post-Covid, va se poser par exemple une question, celle des licenciements économiques, et peut-être la question. C'est que peut-être qu'il faut faire des licenciements économiques, mais est-ce vraiment pour le bien de l'entreprise ou est-ce que pour l'attachement des actionnaires à leur avoir, à leur bien? On a un exemple dans la vie de Thomas More, c'est qu'à chaque fois qu'il a été obligé de se séparer de ses collaborateurs, notamment quand il a démissionné de son poste de Premier ministre, il exprime ce souhait, cette volonté qu'il a mis en œuvre de ne jamais se séparer de quelqu'un avant qu'il ait retrouvé un poste ailleurs. Peut-être aussi une deuxième thématique, c'est d'accepter ses fragilités. Nous sommes dans un monde de compétition, il faut être plus fort que les autres. Et résonne cette phrase du Christ à Saint Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et peut-être que nous pouvons se poser cette question d'accepter la fragilité chez les autres et chez nous-mêmes et de la partager. Un troisième point, c'est la question de respecter la liberté des autres. C'est intéressant de voir que tous ceux qui ont réussi à mettre, enfin tous ceux qui ont essayé, pardon, de mettre en œuvre l'utopie, notamment les soviétiques, ont débouché sur des désastres. Et peut-être que l'idée profonde liée à ça, c'est que il peut nous arriver, à travers nos intuitions, une fois qu'on a une belle idée qui résonne en nous, une idée authentique qu'on veut mettre en œuvre, vient un moment très vite où on voudrait l'imposer à tout le monde. On voudrait que tout le monde fasse comme nous, puisque nous avons une bonne idée. L'idée qu'on retrouve chez Thomas More, c'est qu'au contraire, les bonnes idées des autres peuvent être différentes des nôtres, et il n'y a pas de contre-indication là-dessus. Donc respecter la liberté des autres, c'est peut-être mettre en œuvre la subsidiarité. C'est peut-être accepter que nos collaborateurs, que nos collègues travaillent différemment de nous et néanmoins travaillent bien. Une autre idée, c'est celle que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est s'engager en eau trouble. Peut-être que nous sommes trop timorés, peut-être que nous avons envie d'être sûrs d'avoir une idée qui soit vraiment géniale, qui soit vraiment idéale. Et nous pouvons rester des jours, des semaines, des années à la recherche d'une idée idéale
qui correspondrait à vraiment toutes nos valeurs avant de la mettre en œuvre. Et Thomas More nous dit, eh bien, écoutez, écoutez, faites tout de suite, voilà, même si ce n'est pas tout à fait très bien, au moins peut-être que ça peut aider certains à vivre mieux, à vivre moins mal. Et peut-être que dans cette période un peu difficile où le Covid est arrivé, on ne savait pas bien comment il fallait gérer ça, on ne savait pas bien comment fallait faire, comment ça allait évoluer, nous sommes face à de grandes incertitudes et nous avons peur. Et bien peut-être que c'est l'occasion pour nous de choisir d'agir tout de suite à côté de nous, à travers notre voisin, à travers notre collègue, plutôt que de chercher à comprendre tout ce qui va se passer à l'avance. Acceptons cette simplicité, voilà, de vivre au quotidien, d'avoir moins de certitudes, mais d'avancer. Donc, en nous plongeant dans notre vie intérieure, ben, nous nous reconnectons à nous-mêmes, aux autres, au monde, et c'est la source d'un agir authentique. Alors, se reconnecter à sa vie intérieure, s'engager dans le monde, c'est une idée qui m'a habité avec Thomas More et que nous avons mis en œuvre avec un ami dans cet ouvrage qui s'appelle Reconnexion et dont le sous-titre est Mobiliser sa vie intérieure au travail. Pour nous, c'est la volonté de, voilà, de proposer un voyage, peut-être un rêve, mais aussi une manière concrète de trouver plus de joie sur nos lieux de travail. Merci.